Mais qui a tout autant d'avenir, puisque l'administration, tout comme les politiques, forment un duo relativement complémentaire, souché sur une réflexion commune, tant au niveau de l'élu pour de la représentation vis-à-vis de ses usagers de par sa légitimité politique, et puis pour l'administration, côté DGS, il s'agit de mettre en application l'ensemble des politiques publiques telles qu'elles sont édictées. On peut aussi partager avec l'élu un regard tout autre de la fonction publique et de la politique publique, et finalement, on est là pour faire avancer un territoire avec des vrais enjeux techniques, climatiques, environnementaux et financiers qui sont partagés avec des moyens différents. Que la connaissance des élus sur leurs droits à la formation est quasiment nulle. Voilà, donc ça c'est une première des choses. Et après, le fait de pouvoir la structurer, pouvoir y accéder, est un enjeu vraiment pour que les élus viennent en formation. Contrairement à toutes les idées reçues, c'est d'inverser la logique et de dire que justement, plutôt que de rester dans une logique indemnitaire qui ne permet pas une bonne représentation de la population, démocratisant les fonctions d'élus, justement en les professionnalisant. C'est devenu un vrai sujet en 82 avec les lois de décentralisation, qui était inscrit l'idée de mettre en place un statut d'élu local. Mais à chaque fois, le législateur, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le livre, a reculé dans cette notion de statut sans renoncer à mettre en place de plus en plus de droits et garanties, mais aussi de devoirs pour les élus locaux.